Hey, coucou tout le monde et bienvenue pour un épisode continuel de du LP. J'espère que vous allez bien tranquillement. J'ai le soleil dans la gueule, c'est cool. Bon, alors j'ai pas mal avancé comme je vous l'avais dit, hein. J'ai mis plus de force tout au delà et j'ai beaucoup plus de choses. Alors pourquoi j'en ai beaucoup plus? Parce que j'ai avancé en fait. J'ai réussi à comprendre le mode Tech Reborn, enfin. En fait, il faut un générateur de RF et de tiers lots pour que eux acceptent. Mais faites attention, il y a des machines qui ont besoin du tiers height. Et notamment les fibres. Les fibres, quand vous connectez du tiers height à du tiers low, vous l'avez dans le fion, ça explose. Parce que le câble, en fait, insère des paquets beaucoup trop puissants pour les machines. Donc, du coup, bah, elles pètent, forcément. Donc, du coup, l'avantage, c'est que les câbles ne se connectent pas avec les autres machines d'IC2. Elles ont leur propre énergie. Donc, ça, c'est cool. Donc, on peut se faire deux réseaux IC2 entre parenthèses, un au RF. Et encore, c'est des RF, c'est des. Les RF, c'est pas ceux-là. Hein. C'est pas ces RF-là. Hein. C'est un autre type d'RF. D'ailleurs, en parlant de RF. Ouais, vous voyez, hein, ça se connecte pas du tout. C'est bien leur type de RF à eux. Donc du coup, voilà. Ce que j'ai fait, je me suis fait un extracteur ici, un metal former pour me faire pas mal de choses, un macérateur parce que les minerais YOLO, hein, ou que les fours, mon générateur avec du charbon à gogo, hein, la bad box vous avez connu. Je me suis fait un electric furnace, pourquoi? Parce que comme ça j'ai du fer. Et je peux faire également un compresseur. Donc comme ça, eh ben j'ai du fer. Maintenant, une fois que ceci est en fait, on va peut-être passer à des versions évoluées. Mais également, il va nous falloir des systèmes de création de générateurs d'énergie pour des bad box, etc. Mais pour ça, bah, il faut bien. Bah, il faut bien que derrière, j'ai tout ce qu'il faut. Ici deux, voilà. C'est mon truc. Je préfère. Du coup, nous avons construit la bad box. Maintenant, il va falloir construire une MFE. Alors, comment se fonctionne une MFE? Une MFE, pas de Tech Reborn, d'IC2, se compose de Golden Cable, d'énergie cristal et de basic machine. Bon, ça, c'est pas trop un problème. Au pire, il y a largement ce qu'il faut. Ouais, il y a ce qu'il faut. Alors, on peut le faire via le marteau, hein. Je le fais pour l'instant via le marteau parce que c'est le mieux pour l'instant. La table de craft se trouve là. Pouf. Hop. Casing. Me faut des gold cables. Alors là. Maintenant, je vais prendre un gold. Deux gold même. Au lieu de le passer dans ceci, puis je le fais cutter. Ce que je fais, je le mets là. En mode extruding. Extruding, ça va aplatir le lingot complètement pour lui donner une forme cylindrique. Et cette forme-là, ensuite, me sort des. Oh, des gold directement. Bah, directement des tuyaux. Alors, il me faut le rubber d'IC2. Bon, ça va, j'ai largement ce qu'il faut. Hop. Pourquoi en mettre deux? Parce que si vous en mettez qu'un, vous en avez un petit. Moi, c'est des gros que je veux. Directement. Ensuite, il vous faut du diamant. Ça, par contre, ça va être un petit problème. Je vais le faire cuire. Ouais, bientôt fini, lui. Ouais, il faudrait que j'arrive vraiment à lui faire du fortune avec ça. En fait, le diamant, c'est bien beau. Ça fait du smelting, mais je voudrais bien lui mettre au moins fortune. Ah, il me faut le SAG-1000. Il me faut le SAG-1000 pour avoir une chance d'en obtenir un. Sinon, faut vraiment obtenir un lightning que tu fais cuire ensuite. Donc, voilà. Bon, pas grave pour l'instant.
l'instant, on fait ça comme ça. Voilà, j'en ai 8 de plus. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Hop. Je dois prendre de la redstone. Je fais ça comme ça. Ah, ça me fait de l'énergie comme ça. Mais moi je veux. Ah oui, c'est vrai. Sinon ça me donne les cristaux. Donc ça fait du diamond dust. J'aurais dû le faire pulvériser. Ça m'en aurait donné deux. J'ai pas regardé. Je suis vraiment con. Je suis vraiment con. J'aurais dû vraiment le regarder. J'en aurais eu, du coup bah deux fois plus. Je vais pas les utiliser pour l'instant. Du coup bah Diamond Dust. Hein. Ah dommage. Ah oui, les anciennes versions en fait c'était un diamant entouré de redstone, mais comme il y a Tech Reborn et qui fait ça, du coup bah voilà, ça fait ça en fait. Ah dommage. Ouais, je pensais qu'on aurait pu, mais non. Tant pis. Macerator, est-ce qu'il va mettre le grinder? Oh, Macerator quand même. Ok. Ok. Voilà. Je crois qu'il m'en faut un quatrième. Hein. Ouais, il m'en faut 4, 5 cristaux, ça en fait 9. Et 9 c'est égal à 1. Ah oui, ça coûte beaucoup plus cher en plus. Non, pas là. Waouh, c'est beau hein. Et en plus on peut faire des glass fibers. Donc les glass fibers, eux, avec 6 et 2, on peut comment? On peut les connecter sur les machines là. Ça ne les fera pas du tout péter. Comparé à ceux-là, si on met du glass fiber, ça va péter justement. C'est complètement con parce qu'en fait le tiers il est height. C'est surtout ça en fait. Il faut bien voir le tiers. Et ceux-là en fait c'est que des tiers low. C'est pour ça. Lui par contre il s'en fout par contre. Il a pas de tiers. Et c'est pour ça. Donc du coup il va me falloir 16 diamants pour faire ce qu'il faut quoi. Hop. Nous avons un énergie cristal. L'énergie cristal fait en sorte de stocker 1 million de U. Voilà. Oh c'est beau. Pour faire une MFE. Après on pourrait faire le labotron, mais le lapis, l'azuli dust, c'est juste de lapis et j'en ai pas. La la la. Ah oui, on pourrait se faire la nanosuite aussi. Mais on ira se faire une bonne armure plus tard. Bah du coup, il m'en faut 8. La prochaine fois, je verrai directement pour... comment ? Pour faire ce qu'il faut. Non, ça veut pas. Ah merde, je pensais que ça voulait. Ça aurait été tellement mieux. Malheureusement, cela ne veut pas. Bon bah tant pis, hein, on va prendre le charbon qu'il y a là, de toute façon. Hop, comme ça va couler directement ici, on va être plutôt tranquille. Alors je pourrais faire les solar panels, sauf que en fait les solar panels que je veux moi, solar, il n'y a pas ceux qui sont évolués. Les solar panels d'IC2 ne sont pas à jour encore, donc du coup
On sera peut-être obligé de faire que du solar comme ça. Donc c'est assez chiant, hein, faut dire ce qui est. Mais on mettra des glass fibers pour faire de la grosse génération de volontaires. Je sais pas trouver mieux comme nom. 5. Eh ben, on va pouvoir s'en refaire un. Hop. Ça compresse toute l'énergie de son énergie cristal. Faudrait que je modifie le ressource de Tech Reborn et lui dire que en fait l'énergie cristal de IC2 fasse pareil en fait. Voilà. Allez, il m'en faut une quatrième. Alors aussi, il faudrait que j'augmente la vitesse des machines, hein, parce que donc on va dire que c'est un peu lent, faut dire ce qu'il y a, mais j'ai pas ce qu'il faut, j'ai clairement pas ce qu'il faut, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pas fait. Alors du coup, on va avoir tout ce qu'il faut pour faire notre énergie cristal, notre MFE. L'MFE, c'est juste pour avoir la GUN pour l'instant. Hein. Je tiens à l'expliquer tout de suite. Hein. Vous les mettez comme ceci. Votre cable autour, casing au milieu. L'MFE. Après, vous faites l'MFSU. Mais ça, on attendra largement après. Et après, l'MFSE. Ah bah, y a pas. Tech Reborn, par contre, il a un truc au-dessus de l'MFSU. MFSU. De Tech Reborn, hein, donc ça, bon, c'est très bugué, hein, c'est pas très grave. Il y a un truc au-dessus qui est lié DSU. Donc c'est des AESU, donc ça devient très très complexe. C'est des gros lapotrons en fait, qui viennent comme ceci. Hein, donc les lapotrons, voilà. Et en faisant ces AESU qui stockent. De KRF, 8 tiers extrême, oui, bah oui, qui stocke E à 100 millions de RF, lui stocke jusqu'à 1 milliard de RF. Voilà. Et en même temps, ce bloc-là peut être, en fait, c'est du Internal Dimensional Storage Unit. Son nom complet, c'est ça. Ça veut dire que vous pouvez en mettre un ici, vous pouvez en mettre un dans un autre monde, vous allez avoir la même énergie. Vous prenez la même énergie d'un autre joueur, par exemple, vous avez votre propre énergie. Ça se lit par rapport au joueur. Et ça, c'est cool. Donc du coup, vous pouvez être plusieurs sur le même truc. Bah, plusieurs. C'est le joueur qui le pose qui aura son énergie. Bon, l'autre, il peut pomper dessus s'il faut, mais voilà. Hop, la casing, je la mets là. Maintenant, sachant qu'on a tout ça, bon, on va pas se poser la MFE, ce genre de choses, parce que très clairement, ça va péter si je le mets. Hein, parce que ça sort du 512, alors que mes machines n'acceptent que du 32, d'où la bot box, hein, elle sort que du 32. La MFE, elle sort du 512. Voilà. Donc, si c'est pour ça que si on fait une MFE, il va falloir faire un LV Transformer qui transforme en fait le 512 en 32. 128 d'ailleurs. C'est le MV, le 512 en 128 et le LV en 128 à 32. Voilà, j'étais en train de me gourer dans les trucs. Du coup, maintenant que nous avons ça, bah on va peut-être commencer de refaire un petit applied, hein, parce que c'est bien beau, c'est super beau, c'est super joli. Ça, j'ai rempli mon tank et autres, faudrait peut-être que j'enlève parce que. Est-ce que ça garde l'énergie? Non, ouais, c'est un peu dommage. Mais ça garde pas l'énergie. On va devoir se faire un petit refinery storage. Bah ouais, on va peut-être reprendre les bails. La fameuse version d'Applied. Qu'il y en a qui ont beaucoup qui ont gueulé comme quoi c'est pas Applied, c'est un dérivé. Bah oui, c'est un dérivé, c'est ce que je dis. Mais en même temps, le créateur il se bouge seulement enfin à essayer de coder pour la 1.8.
Donc bon, ben, il y a beaucoup de monde qui prennent de la place avant, hein. Donc du coup, ok, c'est un Applied 1, super pop team, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir notre Applied officiel que forcément, bah lui, il fait un peu tâche. Mais il faut se rappeler que Applied 1 au début, c'était un petit peu la même chose, hein, il faisait tâche. Mais voilà, donc on arrive à prendre la place en fait. Donc, c'est qu'il faut beaucoup de quartz. L'avantage du quartz, c'est que j'en ai énormément. Hein, faut dire ce qui est. Tiens, cuit. Hop. Ouais, il y avait un bug graphique. Ah, l'avantage, c'est quand tu n'utilises pas le charbon, lui, le stock en continuité. Et après, il le cuit seulement. Ok. Bon, ça, c'est cool, par contre. Donc, le silicone, c'est pour faire un, tout simplement un contrôleur. Il me faudra du quartz, il me faudra du fer et du quartz. Alors, le fer, je sens qu'il va descendre à une vitesse grand V, par contre. Très clairement. Oui. Hop. Voilà, donc j'ai tout mon quartz. Il me faut un diamant. Ok. Et du silicone. Bah, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, notre cube. Voilà. Le silicone là. Est-ce que je fais ce silicone ou l'autre? Non, je le vais laisser en ce silicone. Et ensuite, bah, j'ai juste à faire un shift click. Hop. Voilà, nous avons notre contrôleur. Où est-ce que je vais le placer? J'en sais rien. Je vais le placer à un endroit. Il faudrait que je les déplace, les machines là. Que je continue un trou dans ma forêt qui est juste au-dessus. Ça serait bien. Pas seul contrôleur. Je sais pas si le contrôleur, je peux le connecter au générateur là. Non, c'est du RF qu'il accepte lui. Je pensais en fait qu'il allait prendre le RF là, mais non. C'est bien ce que je pensais. Donc, je suis obligé de passer en RF normal. Bon, bah du coup, ça va être pratique avec ça, tiens. Bon, c'est du générateur de lave. Ok, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, il va falloir que je bouge un peu trop. Un peu des choses parce que ça devient un petit peu gênant tout ça. Ce que je pourrais faire, c'est passer un grain ici, comme ça j'ai accès, je fais tout le réseau à plaque derrière. Ça peut être pas mal. Ça va, tu cuis bien toi? Ouais. Et toi? Oh, ça va. Bon bah du coup je vais devoir faire une petite pièce tranquillou. Faudrait bien que j'ai du lapis un moment. En fait dommage que le mécanisme ne fonctionne pas parce que j'aurais mis tellement le Digital Miner depuis longtemps. Alors pourquoi le Digital Miner? Parce que tout simplement lui il permet de regarder les minerais qu'il y a dans le coin. Et de les rapatrier dans le coffre. Je sais pas s'il y a un truc comme ça dans le pack où je suis, donc regardez dans les modes que j'ai mis directement. Vais me taper du gravier, moi ça va être cool. Tuc tuc tuc. Voilà. Easy. Ah d'accord. Cobble. Nether brick, glace, porte. Ouais. Ça c'est quoi un blaze? Ça c'est skeleton. Zombie, ça je m'en fous un peu. Voilà.
Alors, du coup, ouais, donc ceux-là, il faudrait que je les déplace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cependant, il me faudrait une wrench. On va se faire une petite wrench 10 et 2. Parce qu'elle est cool, la wrench 10 et 2. Alors, il faut du bronze. Ça, le bronze n'est pas un, trop un problème, sachant que j'en ai fait une tonne hier. D'accord, très bien, il a fait une... C'était... Ouais. J'espère que ça va pas poser de problème. Bon, ça fait rien. Je vais quand même faire la machine entière ici. Un electric motor, donc il faut des coils, des tin casing et de l'iron. Hop, m'en faut un parce qu'il va m'en faire deux. Ensuite, le copper, il va me falloir directement des câbles nus. Donc ça, bah, c'est pas trop un problème. Hop, on la refout là-dedans. Ça va nous en faire deux, hein. Voilà. Attends, je vais essayer en mode rolling. Voilà, et en mode cutting. Est-ce que ça va m'en faire 3 ou 4? Je m'en rappelle plus. Ok, ça m'en fait que 2. Très bien. Ça t'en fait que 2 comme ça, donc est-ce que je le fais comme ça? Je pense que j'en obtiens plus. Ouais, j'en obtiens un de plus, donc c'est largement mieux. Du coup, hop, hop. Électrique, ça un iron, deux coils. Ah, il m'en faut. Non, il m'en faut qu'un de toute façon. Un coil, voilà. Voilà, deux coils, tac, tac, pouf, un électrique motor, deux iron casing. On le passe en mode rolling. À plein, une deuxième fois. Donc ça va nous faire ceci, il me faut deux comme ça. Ah, il m'en faut même un de plus. Merde. What? Ah, ça m'en fait... Ça m'en a fait deux. Ok. Bah cool. Ah bah non, bah c'est bon. Ouais, mais en fait, ça m'en fait deux, ça me l'a dupliqué le machin. Bah c'est pas plus mal, hein. Moi je dis pas non. Je sais qu'il m'en faut peut-être plus encore. Ah, c'est assez chiant en fait. Il faudra vraiment que je mette des upgrades. Sauf que les upgrades, en fait, le problème que c'est qu'il faut en fait avoir plus d'upgrades. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'upgrade de stockage d'énergie, ce qui est important, et l'upgrade de vitesse. L'upgrade de vitesse te bouffe beaucoup plus d'énergie. Donc du coup, il faut voir après si l'énergie en question restera positive. Même si tu bouffes derrière en fait. Hop, me faut deux restos. Voilà, j'ai mon circuit. Pouf. Ah, me faut une batterie. Tin casing x2.
Redstone, Redstone, Tin Cable. Bon, ça va. C'était mon dernier. Alors bien sûr, je pourrais le faire via le marteau, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus rapide le marteau, mais je suis dans la machine, autant que j'y reste, en fait. Tin casing, hop. Ah oui, aussi, il y a un petit truc, un mode qui peut être pas mal, c'est avoir une table de craft dans son inventaire. C'est pas mal. Avant, dans la 7D, j'avais une table ici de 3x3, mais avec un mode que j'ai aussi également installé, oui, logique. Un mode super bien. Est-ce que ça fonctionne? Non. Bon. Et vu que tous les deux. Hop, hop, et ben hop, voilà. Electric Bench. Normalement, il n'y a pas besoin d'achievement avec ça. Je vérifie parce que si on avait besoin. Voilà. On n'a pas besoin. Tech Reborn. Ouais, Tech Reborn, il n'y a rien du tout. C'est fou, hein? C'est fou, il n'y a rien du tout dans Tech Reborn de base. Du coup, vous avez ça. Ensuite, vous rechargez tout simplement. Donc ça, je recharge forcément comme ça. Voilà. Ce que vous faites, là, tac tac, voilà. À bien noter que votre Electric Wrench, en fait, quand vous le faites en wrench de base, ça veut dire la simple wrench. Voilà. Vous avez une chance que. Vous avez tout simplement une chance que votre wrench pète tout simplement votre machine. Vous avez une chance que ça pète. C'est pour ça que si vous voulez pas que ça pète à ce point-là, bah tout simplement vous faites en sorte que bah votre Tiens, je vais la foutre dessus, tiens, ça peut être pas mal. Tiens. Puis je vais dire au charbon de couler dessus, tiens, ça peut être pas mal. Je sais pas si ça marche comme ça. Ah si. Bah, vous avez la chance que en fait votre wrench pète directement la. Comment on appelle ça? Bah la machine. Tout simplement qu'elle vous pète la machine et vous devez en refaire une. Une Electric Wrench, en fait, ce que ça fait, c'est tout simplement, vous avez un taux de loot de 100%. Voilà. Il y a un creeper au-dessus. Putain, j'ai tellement de creepers dans la zone, c'est fou, hein. Voilà. Alors, nous avons notre électrique furnace, électrique compresseur, et on pourra obtenir une machine supplémentaire. Ça, c'est plutôt cool. Donc du coup, bah, on a un accès un petit peu plus vaste encore. Ça, c'est bien. Ça, c'est magnifique. Donc là, on pourra mettre, par exemple, une autre machine. Bon, par contre, laquelle? Je n'en sais rien. IC2. Qu'est-ce qu'il y a en IC2, tiens? Une machine qui est plutôt pas mal. Ah, il y a la thermal centrifuge. C'est une tier 2, par contre. Mass fabricator, non, pas encore. Pattern encoder, encore moins. Massator, Iron Furnace, électrique, compresseur, fluide solide canne, ça, de toute façon, on va en avoir besoin. Magnétiseur, fluide distributeur, régulateur, liquide ex-échangeur, ok, une pompe, steam boiler, ok. Electric motor, putain, il y a tellement de choses que je connais pas encore. Nuclear Reactor, oui très bien, on va en mettre un en plein milieu, on va le faire péter. Hein. Ça fait un gros trou, vous avez rien compris. Bah ouais, on va se faire un fluide solide canne.
Voilà. Un circuit, une basique et des tins. Ok. Machine. 1, 2, 3, 4. Ça en fera 8. Oui, attends, avant d'utiliser ça. Autant utiliser ça. Voilà, ça va tellement plus vite. Des copper cables. Ça, par contre, je vais le passer directement en mode. Hop. Il me faut les 6 comme ça. Il me faut 2 redstone. Il me faut un iron plate. Voilà. Tiens, d'ailleurs, hop. 1, 2. On a les 6. On fait ça, ça. Pouf, pouf. Paf. Tac et tac. Voilà. Alors, à quoi sert tout simplement ceci? C'est tout simplement un système qui permettra de switcher entre les différentes choses. Alors, normalement, il y a une barre de récip. Ah, on peut switcher les tanks. Ok. Alors, il y a pas mal de mods sur la machine là. C'est bien d'un côté, mais c'est plutôt chiant. Alors, on peut pas... Ouais, forcément. En fait, à quoi ça va servir? C'est surtout, par exemple, pour faire les lapotrons. C'est surtout ça, en fait. Les lapotrons, là, on aura besoin... Peut-être pas forcément du lapis, parce qu'on peut le faire directement comme ça. Mais moi, il y avait une version dans le... Ah oui, c'est du botanien, en plus. Le lapis, je sais qu'on peut le passer du coup dans un... Alors, un macérator, ça va faire un lapis comme ça. Ah, mais ça me le fait pas. Je sais qu'il y a besoin normalement... Alors, c'est peut-être pour faire des selles. Il y a des selles là. Ah, je sais très bien qu'il y a un système de sel universal fluide. Peut-être pour faire les collantes. Ouais, ça doit être ceux-là. En fait, les collantes, celles qu'on a là. Non, pas du molten. Merde, bon, bah, je ne sais plus. Mais je sais très bien qu'en fait, en fonction des fluides qu'on va avoir besoin pour faire des, tout simplement des selles particulières, on va devoir le passer en fait dans ceci. On va devoir mettre de l'eau, on va devoir mettre du lapis, ce genre de choses, et du coup, on va en fait transférer des fluides d'un côté, on va l'intégrer dans une, par exemple, une poudre. Ça va ressortir une selle et un liquide. Des fois, ça peut faire ça. Ou tout simplement, comme il était là, ça passe là-dedans, tac, tac, et ça ressort ici. Voilà. C'est en fonction de ce qu'on fait, quoi. Voilà, une empty plus un objet au milieu, par exemple, est égal à ça. Voilà. On peut se faire pas mal de choses. Bon, bah, du coup. Ça fait combien de temps? Ça va faire 33 minutes, c'est magnifique. Ça fait 33 minutes. Du coup, comme on a vu déjà, storage, refinite storage, de la première saison du LP. Moi, je vais me le construire un petit peu par ici, hein, en mode YOLO, tranquillou. Et du coup, quand on reviendra sur l'épisode, j'aurai déjà tout quasiment installé dedans. Ici, ça va faire tout vide après. Mais c'est magnifique. Comme ça, je pourrais péter ça, je pourrais même péter ça, tiens. Ça pourrait se faire un beau petit truc. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde. C'était Épée. Et la prochaine fois, on verra pour se faire une armure un petit peu mieux. Hein. Parce que c'est bien beau, mais si on peut avoir une autre armure plus pétée, c'est encore mieux. Limite avoir ça en fait en armure, ça peut être bien. J'ai ce qu'il faut normalement, tiens. Ouais, j'en ai 3, si je le fais cuire, j'en ai qu'un. Ouais, sinon je le passe là, donc j'en ai plus. Ah, ça peut être pas mal, tiens. Peut-être même très bien.
Ah ouais, c'est ça, j'en ai tout. J'en ai plus. Ah, j'en ai 6. Et avec celui-là, ça fait 7. Et quand je le fais cuire, du coup, bah, comme j'en aurai 7, le pantalon, eh bah, bye bye. Hop, 3. Oh, ça va être cool. J'aime bien la saison. Ramenez du monde, hein, au cas où, hein, si vous voulez en faire découvrir d'autres, qui je suis. Qui suis-je? Voilà. Même si c'est déjà du vu et revu, c'est toujours bien. Et pouf! Ah, j'ai le plus d'armure encore. Eh, hey, j'ai résistance! Oh! Oh, j'ai de résistance quand je la mets. Oh! Et il faudra vite que j'aille chercher pour avoir toute l'armure. Je sais pas si je vais avoir de résistance 2 ou autre. Mais si c'est le cas, oh, ça va être trop cool. Oh, bah c'est cool. Allez, bisous tout le monde. Bisous, bisous. Qu'est-ce que c'est beau, IC2 quand même.